Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Alors, donc aujourd'hui, des nouvelles de mon robot principal. Donc ça y est, le moment que l'on attend tous lorsque l'on lance un robot, je pense, c'est le moment où on va pouvoir réinjecter le cashback dans le budget publicitaire pour faire grossir notre robot. Puisque là, bon, en ayant 156$, je dois rendre les 50$ de prêt. Il va rester 106$, je pourrais très bien les récupérer, mais si je fais ça, ça veut dire que derrière mon robot va bientôt s'arrêter, que je récupérerai d'ici le mois d'août cette somme là, mais qu'après c'est fini, donc c'est un one shot. Donc là, moi, le but, c'est plutôt de remettre le cashback dedans pour générer de plus en plus de cashback pour arriver dans quelques mois à un moment où je pourrais retirer une partie du cashback disponible et en réinjecter une autre. Mais dans un premier temps, je vais tout réinvestir. Donc je te rappelle que sur ce robot, moi, j'ai mis 300$ avec 50$ donc du coupon iMarketing et 27$ de bonus puisque j'avais rechargé avec Payeer. Il y avait une promo qui court jusqu'à aujourd'hui. Donc là, on est le 1er juin. Donc le robot, s'est mis en route le 26 avril. Donc il a un peu plus d'un mois, si on regarde les statistiques. Voilà, donc sur le budget de 377, là, à aujourd'hui, j'ai 320$ dépensés, qui couvrent la journée d'aujourd'hui, mais sur lequel j'ai pas encore de vente. Et il m'a généré donc un cashback de 579$, avec une journée d'hier, là, pour le coup, décevante. 4 ventes, mais que 6,71$. Donc visiblement des petites ventes, voilà, 1,10$, 2,33$, 2,32$, bon, c'était des petites ventes qui ont été faites, donc même si les cashbacks, certains sont importants, bah, pour le coup, ça ramène pas tant que ça, mais si on regarde sur le graphique, tiens d'ailleurs il me l'a pas mis, la journée d'hier, si, 31 mai, voilà, rendement du robot 34, bon, il y a un bug, ça s'est pas actualisé comme il faut. Donc du coup voilà, donc là aujourd'hui ce que je vais faire, c'est rembourser les 50$ pour pouvoir remettre le budget publicitaire, donc te montrer comment ça se passe. Et sinon tu vois ici que le cashback il continue de faire les dents de scie. Il alterne des bonnes journées avec des moins bonnes, mais que bon globalement le rendement reste important. Donc pour rembourser le chèque de 50$, je vais dans transfert. Voilà, retour du certificat, montant du certificat 50$, donc je fais rendez-les, puisque si je ne fais pas ça, et que je vais dans compléter, ici, il me manque en fait la possibilité de compléter avec le cashback. Là, je ne peux rien faire, sauf à ramener de l'argent extérieur à la plateforme. Donc là, je vais rembourser les 50$. Voilà. On me dit que c'est bon, que ça a été remboursé. Maintenant, si je vais sur compléter, donc là, donc il me reste 106$. Ici, maintenant, je peux utiliser mon cashback. Donc, comme j'ai utilisé le coupon de 50$, je rappelle que je suis obligé de faire un premier transfert de 100$ minimum. Donc là, je vais tout mettre. Sur valeur entière, donc je vais mettre 106$ et je fais payer. Est-ce qu'il l'a pris? Pas sûr. Hop, payé. Voilà. Le reprisionnement a été effectué avec succès. Voilà. Donc on voit que dans le cashback il me reste 67 centimes, que dans la balance des annonces, donc on retrouve mes 106$, et comme jusqu'à aujourd'hui il y a un bonus sur les rechargements, le bonus s'applique aussi sur le cashback que tu réinjectes dans le robot. Donc là, j'ai gagné 10$ en fait, puisque c'est 10% là, le bonus, donc j'ai gagné 10$ le fait de réinjecter aujourd'hui. Donc ça, d'ici 2-3 jours, ça va retomber dans le budget publicitaire, puisque là il est temps. 320$ sur 377, donc là moi il me consomme 8,18$ par jour, donc j'ai encore quelques jours d'avance, mais après quand il va récupérer ce budget complémentaire, je sais pas s'il va se recaler sur le
sur le montant des publicités. Donc voilà pour celui-là. Après, bah, des nouvelles des deux autres. Donc le robot numéro 1 sur lequel j'ai remis, donc le mardi, on était le 29 mai, où j'ai remis un budget pour récupérer le cashback qui était endormi là-bas. Lui, il vient de démarrer aujourd'hui. Il s'est remis au travail aujourd'hui, donc pour l'instant pas de résultat. Et sur le robot 2 que j'ai créé samedi, donc sur lequel je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer comment on s'inscrit par INB Network, et il a démarré dès le lendemain, lui, avec les $50 du coupon. Pour l'instant, les $50 plus le bonus de 4,50 ne sont pas encore injectés. Mais les $50 du coupon tournent déjà, donc ça tournait donc dimanche hier. Et là il tourne aujourd'hui, donc sur dimanche et hier il a déjà ramené $45 de cashback, et là mon budget publicitaire consommé est de $30. C'est ça le petit souci, c'est qu'il démarre fort, il démarre presque trop fort, puisque là bah, il consomme du $10 par jour, donc c'est à dire que dans deux jours le coupon il est consommé. Bon, il y aura les $54.50 qui vont certainement tomber là entre deux, je pense demain. Donc ça va continuer, mais de là il va peut-être consommer là les $104, il va peut-être les consommer en 10-11 jours. Bon, après bah, il faudra attendre le retour des cashbacks pour pouvoir à la fois rembourser le coupon et réinjecter, comme ici je viens de le faire, les $100. Donc voilà, donc si tu veux continuer de suivre l'aventure, bah, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, puisqu'il y aura des vidéos de ce type là un peu régulièrement, et puis je vais compléter par d'autres vidéos sur d'autres aspects d'e-marketing. Donc voilà, je t'en remercie et je te souhaite une bonne journée.